Le président de la transition gabonaise est arrivé à l'aéroport international Melchior Ndadaye à un peu plus de 13 heures à Bujumbura. À l'aéroport, le général Brice Clotaire Oligingema a d'abord été accueilli par le ministre burundais des Affaires étrangères de la coopération en développement. Ils se sont ensuite dirigés au palais présidentiel Ntare-Rushatsi à la rencontre d'Evariste Ndayishimiye, le président burundais. Après un tête-à-tête d'environ 2 heures, le président de la transition gabonaise précise le double objectif de sa visite au Burundi. Notre visite a porté essentiellement sur les questions gabonaises, notamment ce qui s'est passé après le 30 août. Et nous arrivons ici parce que le Burundi est un pays membre de la CAC. Et en même temps, le Burundi fait partie du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc c'est en ce sens que nous comptons sur la voix du Burundi. La voix du Burundi compterait vers la levée des sanctions de la CIAC contre le Gabon après le coup d'État du 30 août dernier qui a renversé l'ex-président Ali Bongo. Après échange de cadeaux entre deux présidents, Brice Oligingema appose sa signature pour marquer sa première visite au Burundi. Les deux homologues se sont mis d'accord sur des soutiens bilatéraux. Le président burundais nous a rassurés de nous accompagner dans cette transition qu'il espère réussir, vu son rôle de leadership dans la sous-région en matière de paix et de sécurité. Il estime que la paix doit être préservée, au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Et c'est fort de cela que nous repartons satisfaits et heureux de cette visite. La présidence du Burundi n'a fait aucune déclaration à la presse pour faire le point sur le contenu des échanges entre les deux personnalités. C'est seul le président gabonais qui s'est adressé à la presse en 3 minutes. Le président du Gabon clore son séjour d'environ 5 heures de temps au Burundi. La quatrième visite dans la région des Grands Lacs africains après le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et le Rwanda.